Vendredi 1er mars 2024, nous comptons la famille Mirville, la famille Michel, et tout le monde, Dieu Tout-Puissant, que nous sommes capables de bénir dans la vie, la famille Noël, la famille Innocent, la famille Joseph, Paumélus, et toute famille Saou, dans mon Dieu Tout-Puissant, Altidor, et que nous sommes bénis, chers sauveurs. Chers amis, nous encore rencontré notre travail là. Et nous avons pris verset 16, chapitre 16, verset 16, je dis à Proverbe 16, verset 16. Donc, nous sommes sûrs que l'Éternel va le permettre à vous de passer un bon moment. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence? 3 mars 2020. L'intelligence est préférable à l'argent. Frères et sœurs, et malheureusement, l'homme va arriver à comprendre une série de qualités, une série de bagailles qu'on a dans eux-mêmes. Yo plus que toute richesse sous la terre. Parce que richesse yo capable tout là, pa gen la joie pour vivre. Et non qu'on dit ça, c'est une vérité liée. Yon moun kon gen yon gardien, yon servante la kayli. Moun sa yo bien vivre, pourtant met kayla a mal vivre. C'est pas parce que gardien a volé à faire non, c'est pas parce que servante là a volé à faire, mais c'est parce que yo même tout ça yo yon yo manje yo à l'aise. Pourtant met kayla li même qui gagne toute richesse yo, faut que li gagne chaque type de médicament pour là si pour le manger un bagay. Faut médicament là avant manger. C'est comme ça ça est gain pour le manger avant manger, gain pour le manger après. Malgré tout, c'est pas parce que il va le bon santé magnifique non. C'est pas ça ça signifie. Il va pas le bon santé magnifique, mais cependant l'a capable plus ou moins pas son journée. Mais ça gardien servante là reste avec la sainte anise là ça le besoin dans baï comme ça dit même tenez que râler chadec là râler orange là hein prend mangoa n'importe ça le joindre il mange il bien à l'aise. Au contraire des fois lui même qui travaille dans la cour il connait pas vouloir manger bagay yo la veye moun yo vie des bout mien la li getan manje un jour an longtemps et ben li getan senti bien en forme frères et sœurs. Alors non ka rive comprendre frères et sœurs le on moun possède en pile bagay précieux l'or l'argent diamant etc tout gros bagay yo paquet richesse mon gagne s'il pas gagne sagesse ça pas fait que mon son mon qui a bien vu pour ça et ça de la rue. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Ça veut dire que ou gagne tout bagaille ça yo ou gagne ka gagne l'or rive la caillou mon pas gagne côté pour chita tellement une belle bagaille vous comprendre. Ou ka gen pil riches ki tout an ba tè la kayo parce que ton konnen gen moun k ap viv ki fè et ki telman gen riches gen bagay an or pou yo protéje vi yo se gòt yo fè yo mete bagay sa an ba tè et yo pa ka mete yo deyò yo mete an ba tè bagay ki évalué a de milliards des milliards et ben on doit gagner toute bagaille ça on veut finir sous pas gagner la sagesse de gestion pour gérer les fini
li vaut mieux que ou pas de gagner yo comprenez li vaut mieux que ou pas de gagner yo c'est ça ou dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or donc l'or pas oublier les nous définir sagesse là pour et la sagesse c'est la connaissance la compréhension là où de vivre avec les autres et c'est ça nous relais la sagesse là et nous voulons insister pour lui parce que mon yo même yo souvent dans la langue populaire là yo prend sagesse là yo mon là parler avec mon li très tendre pour le parler c'est ça ou la sagesse là non ça ça va le dire rien petite question politesse là il va le dire rien mais son ensemble de connaissances ben ensemble de façon pour vivre avec les autres et pour vivre tout pour protéger tête power c'est tout ça qui contribue et qui plus que toute richesse ou des gagnes parce que gagne richesse là ou pas qu'à gérer ou pas qu'à mener et même Jean tout deuxième partie dans verset a il pas loin il dit combien acquérir l'intelligence est préférable à de l'argent encore intelligence là yo do li préférable à de l'argent donc valeur quantité l'argent on te ka gagne mais sou pas intelligence ça pas servir à rien et ça m'a dit là et grand pile monde qui fait expérience là bien des petit monde qui connait lever au jeune maman ou papa ou qui te paquet l'argent pour yo c'est fini le fait que yo pas gain formation yo pas intelligent l'argent gaspillé l'argent gaspillé entourage yo après prend l'argent sur là gaspillé yo même yo pas même tenir compte des bagages comme ça et yo pas connait qui ça pour faire pour l'argent arrêter conserver alors frères et sœurs pendant m'a dit ça ça veut dire pour l'argent arrêter conserver log en richesse ou tout quitter ou serrer ou pas travailler li pas conserver non faut richesse dans la travail l'autre mon a bénéficier la donne les fini va faire progrès comprend va faire progrès richesse là a grandi mais si vous prenez nous mettez en bas terre ou serrer c'est mouvement nul là prend l'or ou prend l'argent ou ta mettez en bas terre gon paquet scorie qui vini entre la dedans ça après diminuer dans valeur la capacité m'pas même besoin parler pour l'or là même pour l'argent même parce que l'argent lui même la paix départ fini beaucoup plus rapide encore. Alors et les moun nan gen ça ou l'intelligence di konnen kòb la c'est travail pou le travail avèl hein c'est pas arrêter pou rete a gran pile l'argent a pile million les fini la gagoter et bien ou ka vin pauvre mais c'est le wap travail richesse soit augmenter par exemple ou prend des gens pour travailler pour définir pour gagner des rentrées et cetera tout ça toute gestion qui mérite pour faire pour faire définir richesse l'a toujours été et son l'a augmenter en quelque sorte comprendre richesse là toujours été oui la paix augmenté richesse là pas dépéri comprendre mais si pas bien ça c'est richesse là l'a dépéri comprendre alors frères et sœurs allons aller dans verset 17 là verset 17 là dit le chemin des hommes droits c'est d'éviter le mal c'est lui qui garde son âme veille sur sa voie les hommes droits
les hommes intègres, les hommes impires. Les non parler des hommes droits, c'est mon capé vie pour yo plaire à Dieu. Les hommes intègres, c'est mon cap chercher pour plaire à Dieu. Mais là on parle des impies et les hommes impires, ou seulement des impies tout simplement. Ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Ils ont pas sur bonne voie. Mais laisse ça. Là on parle de chemin des hommes droits, moun sa yo, ou parle chemin des impies. Parce que yo pas dans direction l'Éternel. Les impies ce sont des méchants déclarés. De véritables méchants. Moun k'ap fè krim. Mais yo di non. Et moun ki homme droit, li évite pour faire le mal. Et ça yo di la oui. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Il connaît que il se serviteur bon Dieu. Il pas gain droit faire bagaille qui mal. Il pas gain droit maltraiter moun. Il pas gain droit contribuer nan tuer moun. On série de bagaille il pas ka faire parce que il fait partie des hommes capé vivre selon la volonté de Dieu. Et d'ailleurs frères et sœurs, si le livre de Romains y insiste sur ça, pour montrer que l'Éternel déclarait nous saints. L'Éternel déclarait nous saints. C'est parce que nous avons effort à faire. Vous comprenez? C'est pas tant que les gens en Haïti, moun fait papier. Nous sommes j'aime des gros messieurs. Il vini et te vini mais ouais ce monde capé on corrompu cap vini qui vient dans l'église là et qui dit des aides faut nèg la gagne n'importe 30 papiers dans main attestant que lycée pasteur dans des églises différentes dans des zones différentes. Papier. Bon, normalement pour moun qui pas gen connaissance, li ka trouble moun avec paquet de papier là. Mais pour moun qui gen compréhension, pour comprendre nèg la ka rive non cybercafé là. Li fait papier. Al gen va faire papier. Écoutez, nous pour aller conclure c'est que nèg la gen tout papier ça n'importe 30 papiers. Les vini nèg la vini c'est ti kòb la vini mandé. Comprenez? Ti kòb la vini mandé oui. Bon ou pasteur toute l'église ça yo tout bagay ça yo hein. Et telle l'école nan tel bagay ou là et cetera hein. Les vini pour vini mandé ti kòb a vini mandé. Ou abdike oui ou son adorateur et si ou besoin entrer les comme dans l'église là yo ka invite ou a venir mettre chalet pour faire mon pote comme bon ça veut dire frères et sœurs nous comprendre que son série de monde hein qui pas dans direction l'Éternel ouais et monde qui pas dans direction l'Éternel cap chercher l'autre côté pour y passer ou bien le chemin des hommes de ces hommes là et ce n'est pas le chemin du mal non du bien non hein? Si Abdi là dans verset 17 là le chemin des hommes doit c'est d'éviter le mal mais pour moun ça ou pas qu'a dit ça passer moun nan c'est cou la baille c'est réfléchi pour le baille cou. Et effectivement frères et sœurs, il y a des gens qui bay en pile importance à papier mon a venu ça ou pas gain moyen de justification yo pas gain moyen pour justifier paquet de papier mon a bayé yo si yo bon si yo pas bon et défini et pour mon ça lui même
Il est le champion du territoire. Ah ben, non, même verset 17, la parole là dit, c'est lui qui garde son âme veille sur sa voie. Alors, là que OAP fonctionne dans ma gouille comme ça, faire faux papier, aller non cybercafé, faire papier ou les venir chercher un monde qui signe doucement ou même ou signe un bagage, ça c'est bagage bien facile, hein. Et puis c'est ça qu'on fait, qu'on doit faire, en ben. Ou pas veiller sous nom, ou pas veiller sous voix, ou pas veiller, ou pas chercher la protection de Dieu, c'est mesdames. C'est magouille ça qu'a fait, c'est pas une question d'affaire nom là, c'est affaire mon n'a débrouiller pour le comment pour le joindre une façon pour journée pas passer comme ça pour paraître grand goût pour journée, vous comprenez, hein, pour paraître grand goût pour journée pour le joindre côté pour le passer pour le manger pour le vivre. Jusqu'à présent, frères et sœurs, et moi même pasteur Parmelis, non pas gagne un problème à ce que mon en difficulté li besoin manger d'ailleurs non non pays pas gain possibilité sou ka aider mon nan ou aider mon nan mais et côté pour mon a vini avec parole ouf tout ça qui dans les souyo ce bagage qui pas gagne pour louer à l'évangile de Jésus-Christ là, hein. C'est mesdames yo et c'est fier menteur, hein. Non, c'est pas direction bon Dieu. Alors frères et sœurs, non encouragez ou même capé vivre en arrêté bon côté l'Éternel d'andé en arrêté bon côté l'Éternel en on pas chercher faire magouille pour nous écarter la voie de Dieu pour route n'a fait ou pour c'est pas route pernicieuse yo et route dangereuse pour yo yé, mais pour nous chercher route droite qui pour mener nous auprès du maître, frères et sœurs, auprès du maître. Verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ça veut dire l'arrogance, frères et sœurs, un monde qui est arrogant. On connaît dans la société haïtienne, non comme ça veut dire un monde qui est arrogant, c'est un monde qui est toujours sûr. Les qui vivent, qui toujours prêt pour les écraser, briser, qui pas gain sagesse et qui pas gain ça ou les comment m'a dit ça la maîtrise de soi, vraiment il pas gain la maîtrise de soi. Ah ben debout mon arrogant ou mettre connait puis devant et mon n'a pas le fini, oui, c'est ça, d'où la arrogance précède la ruine. Les mon n'a fait arrogant, eh bien, puis devant, ou ap chercher l'eau pas pour elle. Et ça, que frères et sœurs, sou konon moun ki arrogant, ou elle est après lui, ou elle est pas pour un conseil, ou mettre qu'on est là tombé dans chaud, et des fois, dit qu'on tombe dans chaud de façon mortelle. Au moment de t'entendre li nan prison, vous comprenez, li nan prison, au moment de t'entendre men li te pon coup de couteau nan bataille men tel bagay ki te rive l, etc., parce que li arrogant, li pa pose, et des fois nan défend cause l'autre, parce que faut que nous dit ça, gen des moun comme ça qui fait semblant à défendre cause l'autre, mais c'est intérêt à défendre. Eh bien, au contraire, mon nan a fait semblant à défendre cause l'autre. Il est venu malheur, il vécu, il a la prison, il mourit, etc. Donc c'est l'arrogance, il y a pas une sagesse. On te couche un texte là, t'as dit pioua, il y a pas intelligent. On me dit ça parce que en devant arrogance là, c'est que pas gain sagesse là, pas gain intelligence là, pas gain compréhension là, pas gain maîtrise de soi là. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais la précédé la ruine, moi même songe na époque m'a télévé à grand pile jeune garçon qui était très arrogant, tout disparaît. Alors frères et sœurs, c'est leçon pour moi, pour nous tirer. N'a tourner dans verset 18 là encore, oui.
Parce que les affinés sous nous. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel rete avec ou que l'Éternel protège. Samedi 2 mars 2024. Qui dit vous, mieux vaut être humble avec Josué et frère Vilma qui besoin présent sous l'Éternel, papa. Oui, Josué. Et tous les ouvriers de la mission évangélique baptiste à la gloire de l'Éternel, particulièrement pasteur Michel Saint-Fort. Frères et sœurs, nous avons l'autre fois, nous disons Dieu merci parce que lui permet moi ma voix, nous rencontrer encore dans le lieu rendez-vous. Donc nous disons Dieu merci pour cela. Et nous avons eu une chance pour nous discuter verset 18 là. La dernière là ensemble n'a pas prend verset 19 là qui dit mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Frères et sœurs, nous avons souvent parlé de l'humilité. L'humilité, c'est monde qui va lever tête yo pour yo faire connaître yo son affaire. Même Jean-Paul l'a dit dans Galates 6 verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Les hommes et pas mon dit jambe derrière lever tête yo pour mon ta yo. Au contraire, yo toujours mettez yo tout petit. Et frères et sœurs, n'a posé tête nos questions. Est-ce que monde qui souvent a levé tête yo? Est-ce que c'est pas monde très souvent qui pi mal yo? Qui toujours voulait faire yo paraître. Même dans le cadre publicitaire, produit yo fait plus publicité pour lui souvent. Il va généralement, même dit souvent, ce ne sont pas de bons produits. Là, il a parlé de bagages, il a parlé de lui, parlé, fait publicité pour lui, parlé. Et pas parce qu'il est plus bon, c'est ça. C'est qu'on est à fait qu'on est normalement, nous-mêmes, nous connaissons tout. Là, un produit fait griver sur le marché. Et il faut qu'on fait qu'on est. Mais c'est là où après 10, 15, 20 ans, il a fait le même type de publicité à Boubagaïla. Là, qu'on y a là, ça mène à questionner, ça mène à poser question. Est-ce que le produit a, c'est un bon produit? Doucement, peut-être qu'on a une rivalité, on doit dire ça parce que là, on prend précaution pour nous expliquer tout ça. C'est de façon à ce que. Ou moun pa getan condamné pasteur pa medi sou sa li di a. Donc nous obligé prend pile précaution, pile prudence avoir en ce sens. Mais n'a pas dit humble, quelqu'un qui est humble, c'est une qualité extraordinaire. Moun qui humble, li pa nan pe de pa nan pile. Li pa nan gade moun pi ba. Li pa nan gade moun pi ba. Gade tel moun a importans. Tel autre moun li gade l pi ba. Non. C'est pas comme ça. Et moun ki un blaye. Au contraire. Yon moun ni wè ki pa gen support, ki pa gen moun ki enterese avèl, li plus deye avanse sou tip de moun sa yo. Ou ta sezi pou wè, yon moun ki gen pil konesans, ou gade wè chita son ti bout mur, lap jwe avèk ti moun, y a la bâtie blague à tout le monde
ou ta saisi pour wè moun na gon ti moun yo gon ti boule chaussette wè moun sa nan mitan yo la choute ti boule chaussette avè yo et lè lòt moun vin konnen ki ti de moun nan ye yo etonné ça veut dire frères et sœurs l'or humble, ça veut dire un paquet de bagaille. Dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ pas de chambre pour te tête li, pour le faire ouais, li son paquet d'affaires, alors que li te paquet d'affaires. Ça nous voulait comprendre, frères et sœurs, c'est que l'important est extrêmement important pour yon moun toujours mette ti kòw piti piti, c'est ça oui, humble l'humilité. C'est pas ou kleve tête ou. Mais qui sa verset a dit nous là? Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Plutôt mettez avec moun qui est même bien avec vous au lieu que pour chercher rang avec un série de monde qui orgueilleux et non connaît ça frères et sœurs gien monde qui plutôt rampé m'a dit moi j'en ai gien monde qui plutôt rampé pour yo bien avec monde yo rend compte qu'il y a possibilité économique, possibilité sociale, possibilité politique. Yo plutôt ramper, yo plutôt traîner des amis moun sa. Et gen des bagay yo pa konnen. Type de moun sa yo. Ou des gen relation avec yo. Très souvent si gen pou mouri. Et ou yo voyal mouri oui. Ba konnen si nou konn sa, m sonje m te eksplike sa. Et c'est pas même une fois m'explique ça plusieurs occasions. Généralement, moun wè ki nan position élevé yo, souvent c'est moun ki gen problème à moun. C'est moun ki position économique yo fè moun gen problème avec yo, position politique yo. Etc. Yo toujours besoin moun ki pou mouri nan plas yo. Yo toujours besoin moun ki pou pran prison pou yo. Mais en pilote par incompréhension, yo besoin zanmi tip de moun sa yo. Amen lò besoin zanmi tip de moun sa yo. Ou passer nan plas yo. Ou passer nan plas yo. Parce que et là où venons situation pour ta passer c'est ou même qui te compose zanmi yo ou te besoin zanmi yo amen yo au devant vous yo arrêté ou nan place yo yo ou mouri nan place yo amen c'est ça que fait frères et sœurs li toujours pi bon oui les non rete non état d'humilité li toujours pi bon les non mette non simple pour non pas chercher relation avec yon série de moun ki orgueilleux avec yon série de moun ki pense yo son paquet d'affaires. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Frères et sœurs, et gen des moun ki di kouè ou à l'école n'importe bagay ki ta pou rezoud bien facile yo mete complication là-dedans. Mais frères et sœurs, l'eau à l'école, c'est non niveau de compréhension pour réfléchir, oui, il y est passé.
ou frotter avec moun qui explique ou toute une série de bagay. Nan ka parola, ou toujours mette nan ka parola, et ou a besoin yon moun qui pou intervenu envers. Ou a besoin konnen yon bagay ke ou pa tap konnen pou kontou. Non gen phrase sa ke souvan moun répéter, réfléchir avant d'agir. Souvent moun ap aji se lè ou tombe devant résultat, y ap wè ke yo te dwe réfléchi. An ben, se lè ou pran rezè, wè, gade sou ki sa debouche. An ben, lò réfléchi d'abord, li important pil. Nou e la prudans, mèm ou nivou des animo, la parol de Diyo parle de la prudans. Lè l'moutro ke, yon serpan pap neke, sa nou tare le kouleur la. Nou ka pran nou an an peyi nou, nou menm se paske nou menm nou pa gen kouleur sauvaj, se preske ti kouleur piti nou gen an peyi nou. A par ke kouleur vert. A men kouleur la son bet ki telman prudan, le pou l'traverse yon wout kelkonk an kafou, fok li gade an pil, paske l pa vle pou rive nan mitan pou la l renkontre a danje. Normalman gen de moun kap di m ke sot ki a paste pa me di se pa nan tout peyi non, paske gen de peyi yo telman proteje bet la, sa fe ke bet la pa gen problem pou l pran la ou nenpòt le. Map dakwa avò. Men malgre tou, serpan rete yon bet ki tre pouridan. An ben, et lè n ap pale de reflechi sur les choses, se yon sot de prudans liye. Pase gen de bagay ou fin pedi, an nan imagine ke ou son pov malheureux. Komprann bien sa mbral di ya, e sa map di ya la nou gen pil moun ki pa prudans lan san sa. Ou son pov malheureux ou gon ti mounen vin nan moun. Il est vrai que se nan fer mouye, chaque 6 mois ou bon kay wap paye. Au contraire, c'est pas ou yo fè parce que non série de pays à travers le monde, c'est chaque mois. Bon. Chaque 6 mois ou bon kay wap paye, le fait que ou est ça qu'on y a là ou vient un petit tébol à la rivière. Par imprudence ou alo pran nou mette de chanm kay. Men, fok ou ta mette nan tèt ou. Yon la rivyèr, non selman son chemin de l'eau liye, le vini son sab liye. Ou apre men pon le ap fè pon, nou pe ki va le l'ajan ou depanse pou yo fè piye pon. Non selman, pour faire là en profondeur extraordinaire, les venir pour faire là avec une largeur, avec des matériaux tout à fait spéciaux pour faire là. Ou même on est venu gratter un petit terre, moins que on met, ou mettre un caillou campé pour nous délivrer à problème à faire mal là. Et non problème moi là qui était tout, c'est comme ça. Son corps vous perdu parce que l'aide l'eau a descend les grands cyclones la passé prend mais qui passé le petit caille à la velle ça n'a dit à la c'est bagaille qui vient chaque jour à travers le monde en particulier en Haïti. Ça veut dire il faut réfléchir sur les choses,
C'est ça, verset a dit là, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a des bagages où pas fouré tête ou la dedans. On pas fouré tête ou la dedans. Il y a des arrogances où pas fouré tête ou la dedans. Il y a des côtés où pas va l'entrer la dedans. Parce qu'on connaît gagner des retombées négatives. Retomber ça veut dire gagner conséquences, gagner résultats qu'ap venir puis devant. Résultat que vous n'avez pas espéré, qui a venu puis devant. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, frères et sœurs, et nous voulons attirer attention sur ça. Chaque ça vous fait, tenez compte des résultats. Maman dit un bagay, papa dit un bagay. Vous n'avez pas d'accord avec ça, d'où là? Mais faut réfléchir sur le résultat. Si un résultat négatif arrive, qui côté vous prend? Qui côté vous prend? Qui vous fait? Faut réfléchir avec ça. Tel bagay wap fè nan société a réfléchi, hein? Faut passer, faut que si sou son moun k'ap réfléchi, sou son moun ki gen bon sens, sou son sage. Faut réfléchir chaque bagay ki existe, gen positif, gen négatif la dan. Toutefois, bagay la marche dans le sens positif. Bravo. Et s'il venait dans le sens négatif? Ah, mais c'est là, pour réfléchir, il va venir dans le sens négatif. S'il venait dans le sens négatif, qui j'aimerais le faire? Ah, mais bon, c'est ça. C'est pas l'or, il tombe là-dedans. Laisse ça pour faire petite figure, pour faire petitesse. Laisse ça venir rabaisser ou venir pas moun ou te doué encore. Alors, c'est ça. Première partie dans verset a dit pour demander pour nous réfléchir parce que monde qui réfléchit c'est monde qui trouve le bonheur l'autre là dans tête chargée dit même li pas dans tête chargée et ça peut dire dans deuxième partie verset a dit celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Frères et sœurs, monde qui confie dans l'Éternel pas monde cap agir n'importe comment. Et frères et sœurs, moi-même, moi fais expérience là. Mon oué qui fait semblant, yo nan l'Éternel. Mais yo nan tout l'autre bagay, yo paye sa chair. Même si yon de lè a paye sa chair, non souffri avec yo. Mais finalement, vraiment élément perdant, c'est yo même lié. Vraiment élément perdant. C'est au même lié. Alors frères et sœurs, nous voulons faire connaître que monde qui confie dans l'Éternel d'ailleurs nous connaît monde qui confie dans l'Éternel et une série de bagages yo pas ka faire et ça fait même gen monde dans société a qui dit yo même yo pas rentrer dans bagages yo le christianisme. Parce que le christianisme là gon paquet interdit la donne. Moi même moi jeune monde qui dit ça. Parce que attendez, ou pas ka faire ça, ou pas ka faire ça, ou pas ka faire ça, mais yo même moun nan vle les mêmes pour son pierre libre tout libre. Ah ben, il faut attendre également aux conséquences. Si ou pas d'accord interdit yo, ou vle pour mener vie ou gens libre ou dire pour bien à l'aise. J'en comprends ni. Eh bien, il faut aussi réfléchir au résultat. Donc, même Paul l'a dit là, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Ou ka dit, ah, que de mon est heureux, mon n'a pas posé dans rien, l'heureux. Bon, mon ka d'accord avec vous, parce que soit gade, et sur le plan de la Chanel, ou après, mon n'a pas posé dans rien, mon n'a pauvre, même j'avais, et même pi mal passé. Donc pour même ou résumer heureux c'est monde qui possède des richesses même Abdou sou te connaît monde qui te possède des richesses souvent qui ça qu'on a passé ou ta regrette pour conception te gagne en même temps. Alors je dis à notre vouloir ça c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur avant agir il faut réfléchir et ouais, l'autre a dit, moun qui confie dans l'Éternel est heureux. Moun pa comprend nous, mais de vous confier dans l'Éternel ou heureux.
Nous venons à un moment pour nous finir, frères et sœurs. Nous souhaitons que l'Éternel reste avec vous. Que bon Dieu bénisse. Dimanche 3 mars 2024. Nous comptons pour nous saluer toutes les amies, toutes frères et sœurs. Seigneur, nous laguons toutes les branches. Pierre-Louis, non mon Dieu tout-puissant, dans l'occasion ça. Frère Dano, frère Dari, l'homme avec toute famille, tout l'amour. Et frère Sœur Migens, cher Seigneur, nous avons de continuer à encadrer pour nos Dieu tout-puissant. Continuez pour te au secours l'Éternel. Toute la vie, tout bail, c'est dans mon situation, pays d'Haïti, dans mon Dieu tout-puissant. Et nous-mêmes, nous avons besoin de délivrance, puisque, cher Seigneur, nous rendons compte, nous n'avons pas qu'à continuer à vivre. Jean Saïe à l'Éternel, que nous bénissons, que nous glorifions, papa. Frères et sœurs, chers amis, nous disons l'Éternel, yon l'autre go, merci. Il permet moi m'avoir nous rencontrer encore dans travail là et nous toujours dans chapitre 16 là proverbe chapitre 16 et nous avons eu chance pour nous de discuter verset 20 là. Dans dernière étude nous avons fait côté il te dit non c'est lui qui est sage alors et c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et c'est lui qui se confie à l'Éternel est heureux nous avons parlé de cela aujourd'hui nous parlons c'est lui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir. Alors, qu'est-ce que cela signifie sage de cœur? Alors, généralement, les gens sont sage de cœur, ça veut dire c'est pour monde qui font bagaille par apparence. Donc on en a vivé dans la société côté que en pile fait ouais la donne en pile fait ouais ça veut dire mon nan pas gain qualité à dans lui-même mais la fait façon et c'est comme si mon nan pas gain dans l'esprit pour faire effort non mais la mais une sorte de vie d'hypocrisie alors l'important ça n'a pas là là ou gain droit pas gain qualité. Ou bien doit avoir une qualité dans vous-même, mais cependant, vous reconnaître faiblesse ou comme qualité à son élément essentiel ou besoin dans la vie ou vous goûter pour lui. D'ailleurs, la Bible m'a dit non ça même, ni m'a dit non pour nous prier pour tout ça nous pas gagner yo qui bon pour nous pas capable arriver à atteindre yo. Atteindre yo en termes de connaissance, en termes de qualité, de capacité. Mais, gen de moun, c'est pas qualité à chercher. C'est faire ou vle faire moun wè ou. Yo gen telle façon pour yo kapale de yo. Amen, lor, comme ça, c'est la vie, monsieur, c'est de l'hypocrisie. Et malheureusement, dans le temps de vivre là, nous prions pour demander bon Dieu l'argent, voyage, travail, mariage. Mais nous ne pas prier vraiment pour demander bon Dieu pour faire des progrès spirituels. Si il y a des gens qui font, ils sont divisés en plusieurs catégories. Gen kategori moun nan fè li et li fè ça de façon éclair comme s'il tendon parole là le tendon message là le fini les prier l'Éternel en ce sens pour l'Éternel ta son bagay pour li nan sens ça le fini bon li fini à ça donc alors que nous connaît par la parole de Dieu parler de persévérer dans la prière. Faut l'Éternel rendre compte vraiment ou intéressé de ça. La faire pour ça intéressé à l'Éternel la faire pour. Vous comprenez? Mais si ouais ou pas
ou pas insister de cela, ça va trop intéresser. Et bien, elle va occuper. Parce que les nappements d'un bagage matériel, les non besoin bagage non vraiment besoin réaliser. Et comme si nous t'apprenons l'expression créole, ça non perturbé l'esprit de l'Éternel. Alors, son façon de parler, vous comprenez pas qu'on fait perturber l'esprit de l'Éternel, non? Et l'Éternel même qui m'a dit pour nous prier sans cesse. Et c'est avec pour nous accorder prière. Donc, nous pas bien perturber pour nous perturber l'esprit. L'homme dit ça, bien doux son façon de parler. Pour moi, je parle mes interprétés. Samedi à la. Alors, frères et sœurs, et si vous parlez de sage de cœur, ça veut dire, c'est pas moun kap fè bagay pou yo fè moun wè, mais c'est en dan yo même yo gen kalite sa, yo sage la, ou comprenn, c'est en dan yo même yo cultive la sagesse. Ouais, comment on fait pour nous permettre, ou bien comprendre? Amélie dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Donc, nous connaissons ce qu'on dit, ça me dit, non? Là, on dit un monde sage. Ça veut dire son monde qui est sensé, son monde qui est intelligent. Nous, ouais, ça vient de nous là. Ça veut dire chaque fois qu'on dit nos bagailles, faut nous entendre côté que la parole là, qu'elle fait nous, ouais, ça veut dire nous réellement vrai. Donc, et celui qui est intelligent, c'est un sage. C'est un sage. Et suivant la sage et la compréhension de l'homme, il dit un homme sage, une femme sage, à partir du niveau de connaissance. Et n'a pour même, frères et sœurs, même dans le sens de matrone. Les on dit matron nan, c'est moun qui a pu accoucher moun. Yo ka di matron pour garçon, matron pour fille. Moun qui recevoir yon formation nan sa ou le la préculture. Le fini femme nan ka rive nan moment accouchement là, c'est moun sa qui gen maturité pour li accoucher moun nan. Et moun sa yo di son femme sage, son garçon sage, en ce sens. Mais sage là, tant que nous habitués d'il, il y a aller plus loin que ça. Ça c'est un élément professionnel, yo relé comme ça. Mais il y a aller plus fond parce que plus profond, là yo di un moun sage, son moun qui a un masse de connaissances, de compréhension et qui pas orgueilleux, vous comprenez, qui intelligent. À travers et le monde les a parlé des savants, mais les savants en général, yo baotique sage oui, même les tout pas gain dans même niveau, parce que son niveau de sagesse qui permet que moun nan ka réfléchir. Et mon nan très patient pour faire découverte. Et d'ailleurs, frères et sœurs, li pas nécessairement yon moun ki vini ki vin on savant, c'est ton moun ki te intelligent l'école là. Mon nan li ka intelligent dans domaine. Alors problème non gen surtout dans société haïtienne là. Depuis on moun pa konn parle français, yo di son moun sot. Blanc te met sa nan tèt nou depuis nan système esclavage. Après indépendance les fini, non nan 21e siècle, nou rete avec même bagay sa nan tèt nou. Yo moun kapé l parle français, nou tande la parle français, nou di ah ça son moun ki fort. Ça c'est de l'absurdité, son langue liée. On langue pas faire un monde fort. On langue son moyen de communication.
lié tout simplement. C'est là mon a parlé, ça qu'a dégagé dans lui-même, dans philosophie, science qu'a dégagé dans lui-même, alors capable bien non, mon ça son monde qui vient connaissance oui. Ouais. Mais c'est pas parce que mon a parlé, t'a parlé des mots français, ou pour dire des fois pour ça. Comprends? Alors pour dire mon ça son sage lié pour ça. Et on langue c'est seulement moyen de communication. C'est blanc qui te fait non quoi ça? Blanc français ya, qui te fait non quoi ça? Et ça que fait? Et non même non plutôt fou pour non parler français ya. Comprends? Alors frères et sœurs, et il est vrai que tout ça au monde mettait tête ou en place pour apprendre ou on sage la donne. Ah! Ou mettre tout là pour apprendre anglais son sagesse qu'il faut faire ça, mais c'est pas parce que on parle anglais pour que tu en mettre au pire ou que tout le monde mais c'est son monde fort. Non, on va retirer ça dans l'esprit nous, parce que des fois gagne des monde humilier monde ou monde ça non humilier, c'est parce que chance ou même ou te gagne hein. Il va te chance là. Moi-même toujours dit ça. Chance petite moi au gain. On va te chance ça. Petite moi me lever non milieu côté que maman ma papa pas de connaissance d'école, papa me c'est à peine ni cali au petit bagaille. Maman pas de connaissance ça même. Les frères et les sœurs que nous te gain et en pile là d'ailleurs toujours là yo pas de gain non yo te levé dans même aspect avec tonton ma tante yo levé dans même niveau avec maman papa m. Vous comprenez, mais les qu'on y a la mini petite pas même bagaille parce que yo même yo levé non l'autre aspect non l'autre niveau puisque papa yo gen un niveau avancé dans l'école et c'est pas même langage, c'est pas même vocabulaire, yo pas levé dans même ambiance. Alors tout ça c'est pour m'expliquer non intelligent oui, et non voulez dire frères et sœurs pure intelligent l'autre Paul lui m'a dit là pure intelligent. C'est les mouna rivé accepter Jésus. Samedi à la, gen en pile contestation la dan. Et tellement gen contestation, même moun ki l'église ka contesté samedi à. Même Abdou son niveau d'intelligence, Léon moun rend compte pour accepter Jésus comme maître et sauveur, son niveau d'intelligence. Parce que l'autre là où est, t'as boumé pour ne pas accepter Jésus, c'est dans le niveau d'intelligence ça, il n'est pas arrivé, il n'est pas chita pour la questionner la nature, il n'est pas chita pour la questionner les choses de la nature, il est plus sapé. Chercher sa nature bali comme avantage, mais di pa réfléchi sous la nature, jan la nature y a, comment la nature fait comme ça. Et l'elle t'arrive à niveau, jan la nature y a, comment la nature a fait comme ça, di pral vin rendre compte que li besoin et expérimenter architecte ça, li besoin gen intimité, gen relation avec. Un problème nous gain c'est que Dieu le créateur il crée toute bagaille, mais l'homme senti à l'aise pour adorer créature, les éléments de la création au lieu pour adorer Dieu. Raison c'est que souvent il réfléchit que bon Dieu trop loin yo. Yo réfléchit que bon Dieu son être invisible. Mais m'a pe di non ça Dieu et frères et sœurs.
Le Créateur, il est vraiment invisible. Mais il faut aussi dire que les esprits qui étaient auprès de Dieu, c'était des êtres invisibles également. Par exemple, Satan qui était révolté contre Dieu. Mais Satan, en tant que chair, pas t'as pas fait ça, non? Satan, c'est ton puissance, l'idée, jusqu'à présent, des puissants. C'est à partir de puissance l'Éternel de Bali, en tant qu'être invisible, puissant, l'idée qu'a révolté contre Dieu. Alors, mais cependant, même Jean, bon Dieu, dans la grandeur, dit qu'après une forme pour le faire nous voir, Satan a un niveau moindre qu'a fait ça tout. L'aime dit non ça, et me dit non à un niveau moindre, mon samedi, parce que, et dit yon nan menti nous qu'on prend très souvent, c'est le dit non et diable là ah mon nan gon point là pour là ça on diable dit ouais diable là fait mon ouais et menti oui et menti moi même en tant que prédicateur de l'évangile serviteur de l'Éternel nous qu'on a gardé mon yo cap fait propagande pour diable là hein et journaliste kap fè propagande ap fè kòb yo kounya la pou atire attention moun a et nou pral fè nou wè diable la un diable la kap vomi la jan bay la a plusieurs occasions mwen teni kont pou mwè diable la yo di a bon m pa devan si m te devan et chanm kote ou pralè a nan chanm nan m ta di ke puissance l'évangile la nan mwen a fait diable là pas apparaître alors que puissance de mba et son réseau social mié c'est sur YouTube mié c'est sur WhatsApp mié même il y a tout l'autre qui enregistré c'est un enregistrement mié m'ta dou ka wè diable là menti avec la diable ou elle faut wè yo te ka faut wè et moi-même na compréhension m'te plus comprendre que yo ka fò on couleur on bay oui yo ka fè ouais ça va dire ça yo ka utiliser couleur là mais question pour comprendre que bois l'on dit a qui camper et pas vrai et pas vrai et d'ailleurs il y a des arrangements yo fè même sinon pas la voix selon la vérité il y a des arrangements yo fè yo kon utiliser un moun non l'autre chambre kap pale le vini voix pour répéter dans chambre kotoye a ou même ou di men diable a pale a voix diable a campé devant di fi la pale et pas vrai non l'autre moun ou ki non l'autre chambre yo fa pale a faire propagande parce que diable a menteur la parole de Dieu dit le diable est usurpateur ça veut dire diable a menteur dans dernier niveau di menteur dans dernier niveau tout ça diable a fait propagande li ka fait et pas vrai il pas ka fait ouais l'Éternel te ba li intelligence vrai mais li pa gen ça relé la parfaite connaissance alors frères et sœurs et le moun gen jan kon parler avec moun yo dou la nan même verset 21 yo di hein et la douceur des lèvres augmente le savoir. Le contingent pour parler à mon, ça a augmenté connaissance parce que on fait plus de recherche, on vient mon cap parler avant, ça vient faire qu'on gagne plus connaissance encore. Et ça fait et mon ouais qui gagne connaissance, dit bah j'aime camper pour le Liban, on fait gagner connaissance là, on finit. Dit toujours à étudier, dit toujours à faire des recherches. Et ça fait même son j'ai dit une fois dernière là tout gain des séminaires à faire et mon nan dans tel domaine gain séminaire qu'a fait passer chaque 6 mois chaque 3 mois gain des nouveautés qui viennent dans science qui viennent dans domaine bien déterminé hein
Donc, on a pas apprendre de nouvelles choses parce que recherche a fait chaque jour. Et ça fait on mon petit bagage ou qu'on va rien droit tout fin connait de venir pour de arriver dans niveau raison arriver non. Vous devez toujours gagner des recherches ou faire. Alors, au fur et à mesure, on travaille avec plus de sagesse, on fait plus de fouilles, l'infini connaissance soit venir augmenter. Ou bien plus encore pour bailler avec l'autre monde. Frères et sœurs, nous venons à un moment pour nous finir. Nous disons bon Dieu merci. Que bon Dieu bénisse. Lundi 4 mars 2024. Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, nous saluons. Et nous croyons mon Dieu Tout-Puissant. Et n'a pas demandé au voyage, je regarde Marie Carmel Mionville pour nous Dieu Tout-Puissant, papa dans un moment ça. Oui, cher Seigneur, que nous bénis, que nous glorifions. Amen. Frères et sœurs, nous comptons encore pour nous tourner dans le travail là. Et nous disons l'Éternel merci parce que les bâtiments là gagnent. Nous avons un proverbe chapitre 16 là, je dis à la nouvelle verset 22. Le bon sens est une source de vie pour celui qui la possède. Mais la punition des fous, c'est leur folie. Frères et sœurs, et je dis à vous parler du bon sens. Le bon sens est une source de vie. Ça veut dire, frères et sœurs, les gens disent bon sens là, c'est comme si vous avez dit c'est le contraire de l'insensé. Ça veut dire moun ki incompréhensible, moun ki a pas agi n'importe comment, ça c'est moun ki pa gen bon sens. Moun des fois tout sauf les dire comme ça, ki pa bay tèt yon ti moment pou yo ta réfléchi sou pi devant. Et non sûr que frères et sœurs, gon seri de moun. Vous comprenez ça, c'est ça non? Si yo t'a réfléchi sous pied devant dans pile bagaille yo fait ou pas t'a fait. C'est ça oui et pasteur Dio. Grand pile bagaille moun nan t'a fait, li pas t'a fait s'il t'a réfléchi sous pied devant. Ki ça sa ka bay. Et n'ap doué grand pile moun ou ka vivre. C'est parce que yo t'a réfléchi à pied devant. Je te prends précaution. Alors, là, Paul l'a dit là, dans verset 22, le bon sens est une source de vie pour celui qui, la possède, qui le possède. Ça veut dire, monde qui possède bon sens là, ça veut dire qu'il ne peut pas agir en fou. Vous comprenez, frères et sœurs? Là, on dit bon sens là, c'est monde qui ne peut pas agir en fou. C'est un coup j'ai notre verset à te dire non plus ou c'est mon cap réfléchir avant d'agir. Vous comprenez? Et frères et sœurs, si nous entrons dans le cadre du foyer, grand pile foyer qui crase, yo crase pour la simple bonne raison mon yo pas réfléchir avant d'agir. Yo pas réfléchir avant d'agir. Yo agi comme des bébés. Le fini, yo krasé foyer ya. Et le ou fin krasé le des fois, yo met chaye la sou do moun ousman, youn met chaye la sou do lot. Mais le vraiment, bon Dieu ta alimenté yo avec bon sens, yo pral vous rendre compte que yo tout te coupable, c'est parce que youn pas de vouloir prendre conscience qui fait ça arriver côté de rivière. Alors ouais ça m'a dit à la lit tellement important foyer pas fait sans bon sens. Ah si pas gain bon sens dans foyer pas marcher et les noms dit ça c'est pas pour comme foyer a son gros mausolier non répéter là mais c'est pas pour foyer seulement non tout ça n'a mené dans la vie que nous t'avons réussi là-dedans vous comprenez
nous avons réussi la dernière. Ah ben, m'a dit nous avec certitude, depuis nous avons bon sens, nous acceptons tendre, nous acceptons réfléchir au résultat. Nous comprenons ça, me dit. Avant pour que tu réfléchis à qui résultat ça après le bail. Il faut réfléchir à ça. C'est pas leur poser action, hein? Parce que bon Dieu créé, non, je me suis dit non ça. Bon Dieu créé nous avec intelligence. C'est pas leur fin tomber dans le problème là, non? Hein? Laisse ça. Leur fin tomber dans le problème là, c'est les a besoin de parler. C'est pour malheur parce que ou que tu fin tomber là-dedans. Ou dépenser énergie, ou dépenser l'argent, hein, tout c'est ça, tout cela, ah ben, sauter, un bon sens, ou pas t'abriver là. Donc frères et sœurs, nous connaissons, nous songeons fois dernière, nous avons parlé de source de bénédiction, source de vie. Voilà que là, il y a parlé, nous avons dit, nous sommes source de vie, leur gain bon sens. Avez dit, c'est pas un petit bagaille comme ça, ou pour le bénéficier. Son bagaille qui est très étendu. Et, frères et sœurs, son richesse liée, les gens gagnent bon sens. Et n'a pas d'où ça, nous avons souhaité que les gens prêtent attention avec ça. L'autre a venu, les gens ont encouragé pour avoir un bon sens. Les gens sont les gens pour considérer en pile. Les gens ont encouragé pour avoir un bon sens, pour réfléchir avant d'agir. La paix d'où orienter vers la bonne voie. Son monde pour considérer en pile. Son monde pour considérer en pile. Alors, frères et sœurs, et yo di moun qui gen bon sens là, c'est une source de vie que moun nan possède. Et comme si on t'a dit son trésor. Nous konnen généralement là on parle de trésor, son bagay qui très cher. Et là on parle de trésors souvent même yo ta vle montre son bagage qui pas fini comme ça. Et ça fait pi gros trésor. Ça m'a dit extrêmement important oui. Pi gros trésor. Yon moun capable bénéficier c'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle pas fini. Imaginons que on vienne au jar. Système jar nous connaît nous même haïtien nous connaît bien. Imaginons que vous venez au jar, mais si jar, il a servi avec lui, servi là dans le jour comme la nuit, ou se mange chaque lait au besoin au servi à la donne, jar peut épuiser. La privation l'elle finit. Mais source de vie n'a pas parlé là, qui dans l'évangile de Jésus-Christ, hein? Que nous réaler en d'avant bon sens là son bail qui pas chame fini non yo pas t'apprendre le source de vie parce que la vie que me gagne dans moi la vie que ou gagne dans ou même là c'est un bagage qui pas fini vous comprenez frères et sœurs et pour un bagage qui pas fini non alors n'a pour dit Paul l'a dit le bon sens est une source de vie pour celui qui la possède. Et comme nous connaissons frères et sœurs, nous avons plusieurs versions. Dans l'autre version qui dit la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Ça veut dire que nous avons dit non. L'autre est intelligent, l'autre est un bon sens. Et on est capable de dire que nous sommes un qui sage. Amen. D'un côté, on dit le bon sens, d'un autre côté, on dit la sagesse. C'est une source de vie. Pour celui qui la possède. Côté on dit bon sens là, on dit pour celui qui le possède. Côté on dit sagesse là, on dit pour celui qui la possède. Alors, cependant, frères et sœurs, on comprend bien, pour celui qui n'est pas sage, ça n'a pas été insensé,
Yodo, le bon sens, Ousmane la sagesse, c'est une folie. C'est une folie. Si je lis tous les détections pour vous, dit, mais la punition des fous, c'est leur folie. Et dans l'autre texte là, elle dit, le châtiment des insensés, c'est leur folie. Ça veut dire, ok? Insensé, ya. C'est, je me suis dit, nous, sa fois dernière là, c'est tout le temps tombé dans la gauche, tout le temps tombé dans le chaud, parce que il n'a pas réfléchi avant d'agir. Et m'te tellement te expliqué nous ça fois dernière là, dit nous gen même parents qui subit en série de bagay, c'est à cause de petites insensés qui fait retomber la donne. Et parents non frères et sœurs ça n'a dit là. Petite insensé, moun ka pa agi sans réfléchir qui fait retomber la donne. Vous comprennent? Et oui qui fait retomber la donne qu'on y a là. Si moun nan li même li pa tande ni ciel ni terre, la pe franchi non série de mauvais bagay. Maman papa ki etan wè ki rezultat sa ka baye yo même y a prend devant. Malheureusement jen yo souvent pa tande, et finalement comme société n'a vive là, c'est une société injuste. Finalement, nous connaissons subi des bagailles qui n'ont pas de droit subi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous subi des bagailles qui n'ont pas de droit subi à cause de injustice, à cause de petits gens, de jeunes gens, de madame ça, de mari ça, de frère ça, de sœur ça, de papa ça, de madame ça. Non ouais Mexi, me dit toute bagaille ça yo, tout c'est pour dire un seul bagaille là, parce que effectivement gen délai c'est ti moun nan, mais gen délai pas ti moun nan, non c'est Maria ou kon ça. Gen délai c'est madame nan kon ça qui pa kontande. Vous comprenez? En série de monde qui pas contenté, et yo pas yo et ça yo pas gain bon sens pour yo et puis devant pour ça rele une source de vie. C'est ça qui rive devant yo, lancer un propos, râler coup de poing, râler un bâton, voyer wash, râler un poignard, hein, râler une arme. C'est ça mon nan ouais, hein. Pourtant moun ki a pe réfléchi ya et pas même bagay la, li ka gen tout bagay sa au bon côté, li pa utilise youn, li prend la voie de la sagesse. La voie de la sagesse. Alors les nous dit la voie de la sagesse là, c'est pour nous la voie du bon sens, hein. Ouh, bah, la belle frère, c'est parce que la voie, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Donc on apprend la voie de la sagesse, mais l'insensé lui, il dévore. Il pas prêté non comme ça, il a dévoré. Ouais, bon passé. Et ou même capable acheter figue mon, on entend il a dit ça, ou capable acheter figue mon, même pas acheter figue mon moi. Il est fini, les mon n'a pas trouvé lui. Qu'on y a là des barreaux. C'est là à la réfléchir et frères et sœurs. Haïti déjà un pays. L'arrivé dans prison la donne. Ou pas sorti facile. Ou pas dépenser l'argent, ou pas sorti. Si ou tande bon moun, yo arrête ton moun pour un pat banane. Moun nan mouri dans prison pour un pat banane. Un petit cabrit, ça m'a dit à la moun an de yo kon sa apil. Pour un petit cabrit, yo mette moun nan en prison. Moun nan fait toute la ville jusqu'à ce qu'il mouri. Et les conseils oubliés dans la prison. Nous connaissons des parents jusqu'au côté de la ville. Depuis que nous avons des bagages qui battent pour lui, ils sont entrés là-dedans. Les parents ont tellement honte. Ils n'ont pas pu aller entrer dans le dossier. Ça fait que
souvent gen moun pour une chose de rien là il n'est pas fini dans prison Ousmane pour une vieille parole il était prononcé là il n'est pas fini hein frères et sœurs ouais ça m'a dit là voulez non comprendre ça la sagesse gen des expressions qu'on y a ou te qu'on répété longtemps ou pas qu'à répéter qu'on y a non oui ay frères et sœurs bon ça m'a dit a oui gen des expressions longtemps te qu'on a pas merdé on nèg là parce que on nèg là on ti gens pas trop bagaille hein ou qu'on dit garder tel et tel mais qu'on y a là l'ont répété ça c'est une mauvaise parole ou dit oui c'est bagaille ou ka mourir hein parce nèg la son bergwelié hein son gens qu'on dit moi son bergwelié mais gon l'autre expression qu'on dit ça veut dire ou même qu'on y a obligé ou pas ka répéter expression parce gen tou ki pot non hein tout se réfléchi bo ap réfléchi oui frère et sœur hein tout se réfléchi alors chers amis Paul a montré que insensé à lui-même ça veut dire monde qui pas gain bon sens là monde qui pas réfléchi avant d'agir monde qui pas chercher sagesse là monde qui pas étudier qui résultat l'el poser telle action qui résultat ça pral bay pi devant monde ça lui-même yo dou comme ça hein le châtiment des insensés c'est leur folie donc j'ai été agi a j'ai agi en foi c'est lui-même qui mettait au côté et là qui fait qu'il y a un pile jeune garçon un pile jeune femme yo fait yo touyer yo fait vendre dans magasin yo fait vendre dans marché parce que non comme ça non fort en Haïti yo fait travail dans jardin banane dans jardin canne dans usine si haut hein pour en parole oui yo pas modifier bouche yo yo poser action hein le fini et c'est pas parler maman pas qu'on parler yo non c'est pas parler entourage pas qu'on parler yo non mais au même bout de comme ça aussi maman m'a pas acheté figue mon oui c'est papa m'a pas acheté figue mon moi m'a pas acheté figue mon moi et figue mon m'a pas acheté l'ogon niveau de sagesse un frère Ness l'ogon niveau de sagesse c'est irrita et pas figue mon non pas acheté ou c'est important frères et sœurs alors on a les verset 23 qui marcher dans la même logique avec verset 22 il dit celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche nous songe m'd'ab dit non ça dans étude biblique auparavant oui de dit non gon série de monde est-ce que c'est pas ton question était posé de préférence donc m'pas fin songe exactement gon c'est moi une série de monde en d'ailleurs même yo gon série de bonne qualité na yo même yo sage en d'ailleurs même mais gen de monde même c'est besoin de sagesse là pour yo prier bon Dieu pour yo mander gon série de monde de nature qui intelligent alors ça m'a dit c'est pour tout domaine ça oui mon na intelligent li pas besoin étudier en pile il pas besoin étudier en pile mais l'autre là lui même qui pas gain même niveau d'intelligence là faut l'étudier en pile vous comprenez faut qu'il étudie en pile avant pour les arriver me songe de gain en condition donc on pas répéter ça noter l'école si moi même m'a connon leçon à 30 minutes de même fois le prend 2 heures de temps donc bon Dieu de bon faculté ça dès qu'on étudie avec intelligence m'pas étudier mot à mot mais lui même faut l'étudier mot à mot la fait 2 heures de temps là pour le compte bagala moi même depuis dans 30 minutes m'étant fin connaine
Mais ça qui est important, c'est que lui-même, il prend temps pour ça tout. Il dispose de temps, il connaît pas même avec. Vous comprenez? Il connaît pas même avec. Il commence avant, il finit après. Moi, je suis fini, oui, lui-même. Il a étudié toujours. Vous comprenez? Ah, mais ça veut dire que, et dans ça, on a tourné sur ça, oui, demain, si Dieu veut. Gen sa ou les sages de cœur là. Faut nous connaître ça. Nous tous nous bagay même aptitude, même compréhension. Faut que nous prenne du temps pour nous la prier. Moi gen des bagay faut m'ap la prier en pile pour bon Dieu débarrasser m'de ou. Que bon Dieu bénisse frère. Mardi 5 mars 2024. Nous saluons l'autre fois, frères évangéliques, baptisés à la gloire de l'Éternel. Nous demandons que puissance le Saint-Esprit était nagé toute Naomi, bon amour, Dieu tout puissant net. Nous demandons que tu avais au papa maintenant. Et continuez de verser grâce au cher Seigneur, sous petit Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, nous avons encore rencontré notre travail là. Nous disons l'Éternel merci pour ça. Il n'a pas demandé l'Éternel chaque jour pour l'été bon côté, non? Et nous saluons tous les amis de frères et sœurs. Que bon Dieu était avec vous. Nous sommes toujours dans le Proverbe chapitre 16 là. C'est là noyé. Et nous sommes dans verset 23. Nous avons lu verset 23 encore. C'est lui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Et nous te parlé, nous te commencé ça pour nous te dire que les gens ont une bonne qualité dans lui-même. Bonne qualité, ya. Et li en dedans mon nan li rive refléter dans la ville, dans la rue. Là ou bon ou pas bon, c'est ou même qui a du bon. Hein? Mais et tout le monde capable ouais. De par façon à agir, tout le monde capable ou c'est un bon monde. Vous comprenez? Tout le monde capable non, et tel son bon monde, oui, pas Jean la paix agir. Ah ben laisse ça, souvent ça sorti en dedans. Et ça fait frères et sœurs, il y a un monde qui hypocrite. Ça veut dire un monde qui fait mon ouais. Tôt ou tard, il a privé découvrir mon ça. Il a hypocrisie. C'est bagaille la faire ou la tirer les regards, mais en réalité ça l'a dit de li a ou sinon ça l'a affiché ya. Et pas ça lié. Mais là ça qui est important là, tout bon bagaille yo les on mon cœur bon l'a bien des répercussions et sur l'extérieur. Ça veut dire mon après ça. La belle oui la boule, c'est lui qui est sage de cœur, manifeste la sagesse par sa bouche. Vous comprenez? En dan bon. Si vous permettez moi d'expression comme ça, en dan mon nan bon, mais tout dehors ça arrive. Tout dehors, tout moun ouais, son moun sérieux, son bon moun, son moun qui toujours la boue de moun. Son moun qui va gagner pour lui, alors ça son série d'exemples nous prend en ce sens. Son moun même les moun a maltraité, mais moun qui toi maltraité lui il voulait ouais bien pour yo. Donc Paul l'a dit là, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Moun a dit qui sage là. Depuis soulève li ouais ça on qui sage là il y a des monde de nature qui agressif si vous permettez moi dire ça il y a monde de nature qui agressif ben monde qui sage là des pour dire pour son monde qui sage oui parce que il pas gain agression et sous visage li hein na agi la page c'est par l'amour. La bagaille même côté bagaille dangereux. Oui. Même côté bagaille dangereux.
moun sa la page avec sagesse et la résoud et de moun résoud problème qui Machiavel l'aime dit ça des problèmes difficiles. Verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Bien. Frères et sœurs, gen des expressions, gen des paroles Bible a employé Paul yo bel nan un niveau que l'homme pas ka comprendre. Et c'est l'entrée dans la nature. Gen des bagailles qui dit nan un texte biblique ou pral comprendre. Non konnen frères et sœurs, ça ou le miel là. Normalement et souvent nous même non définit le mal non et surtout dans créole là non définit le mal non prend miel là pour bête là mais bête là il y a abeille miel là c'est si roi qui miel là alors parmi et tout bagay qui gagne la nature là qui douce si au miel c'est si au qui pi douce qui pure tout l'aime dit qui pure là li pas bon maladie normalement sou gen maladie peut-être sou bon maladie ou un problème si au son l'autre cas mais li même en tant que li même li pa gen complication la dan l'Éternel bay li comme ça et bagay l'homme pa ka comprendre et souvent n'a posé des questions qui en pour monde fait pa ka comprendre bon Dieu pour tellement bon Dieu fait des bagay extraordinaire pour nous et l'homme plutôt adorer les éléments de la nature yo néglige l'Éternel qui crée tout bagay pour yo. Alors, frères et sœurs, et les nous gardé là, li di nou les paroles agréables sont un rayon de miel. Bonne parole. Leur placer bon parole comme si li douce même genre avec miel. Gende les frères et sœurs chita ou attendon l'évangile là. M'pa parler bagay ou attendé des discours politiques. Des discours d'agitation, des discours de mensonge, bagaille magouille, non? Mais l'évangile, vérité, ou attendre le senti, ou pas d'avaler le fini. Tellement parole là, à traverser, mais c'est même gens, l'homme qui a envie de manger. Mon a un bon temps pour manger tel type de manger. Li te anvi manje ya, le fin li wè ap fè manje ya. Moun an ap achete manje ya, swa mba konnen si se non restoran ki kote, le fin moun an e gen chans pou li chwen manje ya. Le moun sa ap deguste yon bol manje. Moun an senti li vreman bien. An men map do freze se, les bonnes paroles et les paroles agréables ne sont nulle part que dans la Bible nos frères et sœurs il faut dire la vérité oui. Ça m'a dit à la gens qui pas d'accord là mais faut que nous dire les paroles agréables ça nourrit les paroles agréables là qui c'est un rayon de miel là ou pas gain l'autre côté ou venir dans la Bible là ou bien l'autre côté parce que ça mon a baou yo comme bon parole yo. Ce sont des paroles politiques pi devant ou même encore ou pral rejeter le monde encore pral rejeter paroles li a d'ailleurs m'a répété non konnen grand pile politicien non konnen ta baye paroles belle paroles en Haïti belle paroles dans l'autre pays côté yo tout là ou il vient yo changer physique de Paul en Haïti non gen ça en pile. Non pas faire politique, non pas entrer, non pas dire ça comme ça, mais ou même ou konnen ni, ou konnen yo, ou konnen type de moun sa yo,
qui te qu'on a bay parole politique pour faire moun croire dans eux-mêmes les fini les ou vinn joindre mamel pour ressourcer parole yo a ou après parole douce ou t'attendé a pour la mérité pour jeter loin et type de moun sa yo même menacé yo on kon souvent menacé mortellement parce que tellement yo e parole moun nan te kon a di a parler avec moun nan même comme si moun nan c'était un côté l t'ap chercher. Alors les vraies paroles agréables se trouvent dans la Bible. Même si frères et sœurs entendez moun ap di Bible a gen erreur la dan ap di parole c'est moun ki gen l'esprit diable. D'ailleurs diable la kon sa l'ap fè oui li publie ke Bible la gen erreur la dan pour arrangement yo bezwen fè a pour yo fè l et ça fè m'ap di ça et me songe m'ta parler ça avec et coordonnateur Rebecca Bible sa wè ki nan mon moun nan kembe Bible la fò parce que gen travail diable ap fè gen travail diable ap fè pour retirer les bonnes choses de la Bible et ça que moun wè ki kembe téléphone c'est presque à téléphone yo servi yo pas servi à Bible m'a dit non et malheureusement et heureusement nous gen konn ça pour expliquer ça pas jeter Bible attendez parce que Jean wè diable ap marcher a li arrangement l'ap fè gon lè ka privé Bible ap nan moun parce que c'est sur téléphone ou venir c'est son support ou venir les venir gen bagay ap déformé la donne yab déformé la donne et à travers et réseaux sociaux à travers technologie ya si vous permettez moi dit ça yab déformé la donne parce que la parole de Dieu dit le monde est sous la domination du diable et ça fait et moi même m'a encouragé en ce sens pas mettre bibou à des côtés. Alors frères et sœurs, et c'est important pour nous comprendre que ce sont seulement dans la Bible qu'on a les bonnes paroles qui sont considérées comme des rayons de miel. Ça veut dire même un coup qu'on mousse au gâteau miel, j'y a coulé la gueule non vaisseau au goûter l'eau brella. C'est comme ça parole là hier frères et sœurs, tellement parole là bon. Et la parole de Dieu dit, alors faut comprendre bien oui. Il dit c'est pour l'âme, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Ça veut dire parole l'évangile là, non seulement et son parole pour l'âme, frères et sœurs, mais aussi pour le corps également. D'ailleurs, frères et sœurs, en on clair avec ça, nous connaissons la Bible pas là seulement pour le corps. Pour l'âme. Tout ça dit dans la Bible là, tout ça nous avons besoin, la Bible a gagné toute la donne pour nous. La Bible a gagné toute la donne pour nous. Nous avons besoin pour quoi, nous besoin pour l'âme, nous avons besoin pour l'intellect là, tout bagaille, tout en dans la Bible là. C'est ça que fait Odino là. Douce pour l'âme, salutaire pour le corps. Ça veut dire parole là, salutaire pour le corps là. Dans le mot salutaire, nous est salut là dedans. Ça veut dire un bagage qui pour sauver, pour sauver, pour transformer le corps. Et ça qu'on nous les chrétiens, les nous gain problème, nous prier l'Éternel, nous gain douleur à la nourrir, il fait intervention, il est fini. Il faut aussi comprendre, frères et sœurs, la nature, Dieu crée la nature avec toute bagaille là-dedans qui pour servir, qui pour servir. Non, de compte ça, oui. Les éléments de la nature, ce ne sont pas des choses jetées. C'est Dieu qui les a créés, non seulement pour nous consommer, mais aussi pour traiter douleur, noyo, maladie, noyo. Vous comprenez? Alors frères et sœurs, les paroles et douces pour l'âme, les paroles de Dieu
sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et l'homme garde frères et sœurs, surtout dans l'époque de la Bible, là, nous, les gens qui vivent en dehors de la parole de Dieu, ils sont presque dénaturés. Et est-ce que je t'ai dit presque même? L'homme dénaturé, parce que on dit chaque jour, il y a écarté au fur et à mesure, l'homme a écarté au de Dieu, il y a marché plus près le diable. Bien des gens où est mon naïe, ça le mettait sous le type d'habit, hein, mon nain et diabolisé, l'a diabolisé plus chaque jour, l'a dénaturé, l'a cherché en façon pour le pas sembler à la nature divine. C'est le travail du diable et mon nain lui-même n'est pas non niveau de compréhension pour comprendre ça. Mais lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, frères et sœurs, là, on est régénéré. On est régénéré. Ensuite de la vie éternelle qui nous attend, frères et sœurs. En plus de la vie éternelle qui nous attend, oui, pendant nos sous-terres, parole là, les régénérer nous. Parce que t'aimes donc bagaille. Et surtout nous-mêmes qui pas pour entrer dans une série de bagailles pour aller chercher manger. C'est important ça m'a dit nous là. Surtout nous-mêmes qui pas pour entrer dans une série de bagailles pour aller chercher manger, faire mauvais coup des fois nous subi gangoui. Nous mal vivre, nous pas bien dormi, nous pas gain belle caille parce que gain côté nous pas pour le fourrer mais nous pour aller chercher les fini ou ta saisi les vin pour visage non bien frais. Souvent ça arrive, oui. Moun qu'on a posé question, qui j'en moun ça yo fait? J'en bagay la yé la, mwè yo bien à l'aise la. Non, c'est l'Éternel qui font bagay. Parce que nous n'en parole là. Et ça fait nous même n'avons encouragé moun l'église. Au lieu que pour intéresser avec vieux bagay qui pas petit loin, vieux bagay nan monde là, qui pas petit loin. Intéressé à la parole de Dieu de préférence, non. Gainan nous même qui prend tout temps non pour les affaires politiques, les choses de la terre. Les fini non négliger les choses divines. Anore les sous tête non en ce sens. Hein? Anon bay première place à la parole de Dieu, frères et sœurs. Anon bay première place à la parole de Dieu de préférence. Parce que c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. D'ailleurs, la Bible dit la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et nous regardons dans Jean chapitre 1, frères et sœurs. Il dit ça, oui. Il dit, lumière a venu dans les ténèbres. Lumière a venu dans les ténèbres. Et pour qui ça, lumière a venu rendre témoignage à la de Dieu. C'est Job, oui. Et souvent, frères et sœurs, et nous avons une situation de désespoir. L'étendue des paroles là, l'y rajeunit. L'étendue des paroles là, l'y prend force. Il y a des bagages qui ont maltraité au monde. Bref, nous avons rencontré dans l'évangélisation, bref, nous avons fait un petit avec l'y camper pour l'étendue. Li campé pour le temps de le fini ou même ou pas même rendre compte non qui travaille ou t'a fait ou pas qu'on travaille là pourtant et c'est son travail en profondeur qu'a fait sur comportement mon nan sous situation que mon nan a pu endurer frères et sœurs ou même c'est porteur de solutions yé. Vous comprenez frères et sœurs, ou sont porteurs de solutions, sont pas même tenir compte de ça, ou sont porteurs de solutions. Les solutions vinn bay oui avec moun nan dans situation oui, ou vinn bay solution avec moun nan, ou sont porteurs de solutions oui frères et sœurs. Alors, chers amis, nous voulons et fort qu'on ait ça. Pour nous bay place à la parole, intéressé à la parole de Dieu,
intéressé à connaître sa grande dans la Bible là, chercher connaître sa grande dans la Bible là. Nous même qui pas aimer aller dans étude biblique, qui pas aimer aller dans l'école du dimanche côté gain jeune non plus dans jeune non, mais nous pas intéressé à la parole. Même Abdou, Jésus-Christ dit de sa propre bouche, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, mais ça a péri, non, parce que nous n'avons pas suffisamment de connaissance de la parole de Dieu. Et si je prends le verset 24, il dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Nous arrivons dans un moment pour nous finir. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, était avec nous pour conduire nous à toute la vérité.